Station Break! Merci beaucoup tout le monde de participer avec nous! Hey, hein? Sur le break, média! Peut-être demain, si on va le faire, peut-être à soir, ça va se remplir à 9h. Savez-vous combien de temps il s'est écoulé entre la première vente et la dernière vente? Il s'est écoulé 4 minutes! Je suis sans mots. Merci beaucoup. Mais je suis tout le temps un petit peu genre. Je suis comme Asti. Là, c'est un Asti gros break là, chez Asti. C'est de l'écrit, ça va se le dire là. 95$, c'est de l'argent tabarnak là. Fait que là, à soir, il va y avoir du monde qui seront pas contents. Parce que les tabarnak, ils vont avoir le WOW. Ou peut-être qu'ils vont avoir une équipe qui aime pas. Ça n'ose pas, peu importe. Mais on offre deux deuxième chance. Fait que, au final, vous avez une chance, si vous avez rien, hit de le fun, vous avez une équipe de cul que vous avez pas, ben vous avez une chance sur 15 de probablement ravoir votre argent. Et on fait tirer un chandail aussi parmi tous ceux qui n'ont pas eu de hit. Et si tout le monde a eu des hits, ben on va enlever une sorte de hit. Parce qu'il y a tellement de cartes tabarnak, je peux pas croire que tout le monde n'aura pas un hit. Bref. Faites une bonne journée. Prendre un petit 2 secondes juste pour donner... petit hommage, ça va durer 10 secondes. Juste de donner, je sais pas si quelqu'un nous écoute, là, il y a quand même 35 personnes qui nous écoutent en ce moment, des fois il y a 50 personnes qui nous regardent. Mais, juste donner mes condoléances, la triste nouvelle aujourd'hui de Rick Aucoin, qui est décédé malheureusement, après sa bataille contre le cancer. Donc, toutes les fans de baseball sont en deuil aujourd'hui. Sinon, le Canada. Si le Canada. Chris, ça allait pas super bien, hein. C'était 1-0 puis il y avait de la misère. Donc, on va y aller. Commencer le random. Parce qu'il faut randomiser ça. Et c'est un break là qu'on pourrait utiliser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce son là. Donc 11 boîtes, rien de moins, pour le break numéro 100. Chaque fois qu'on doit brasser la soupe, on dit bonjour à Denis, Cardinal Charbonneau. Tu vois, là vu que ça te portait pas tant chance, j'ai arrêté d'écrire DCC sur... T'as souvent marqué que j'ai arrêté, là, hein, d'écrire DCC. Mais comment ça, là, qu'on voit pas? Une minute. Bon, ok. T'as souvent marqué que j'ai arrêté d'écrire des CC. Je trouve que ça te porterait pas chance. Steven Clément, il sait pas encore qui est. Et là, c'est le moment où il y a du monde qui va être content. Puis du monde qui sont pas contents. Moi, je veux tout le monde soit content. Fait que je fais tout des hits, ok? Bonne chance à tout le monde. Et voilà, c'est parti. Bon, Tommy Gagnon qui a pris 3 hits. Il y en a 9. Ça, on le sait. Suite d'avance. Et on va commencer les remerciements, bien sûr. Donc là, on a 3 chronologies. Fait qu'Arizona, c'est quand même intéressant. Carole Joe, merci. T'es moussé l'année, Chris, avec les Jets, les anciens Jets. Ça va, Arizona? Pas payé deal. Alex Miron, Boston. Sergio, Buffalo, Yann Richer, les Flames, Caroline, Tommy Gagnon, Chicago, Tommy Gagnon, c'est 3 spots. Julien Blouin, Colorado, JV Pelletier, Columbus, Dallas, Bruno Tremblay, Alex Miron, Détroit, DCC. Ça porte chance, ça, si que j'ai arrêté de taper DCC, Edmonton. Florine, Nicolas, Robert, Renaud, Ozur, Maxime, Vienne, Los Angeles, Joe Raymond, Minnesota, Jess, Lavoie, Montréal, Nashville, Phil Grenier, Max Vienne, Dieu, les Devils, Islanders, Bruno Tremblay, Éric Leblanc et les Rangers, à 2 sur 1. Ensuite, Mike Trudel, Ottawa. Jess, Lavoie, Villeneuve, Philadelphie, Pittsburgh, Sonny Dubé, bon petite équipe. San Jose, Eric Desjardins, sorry bro. Saint-Louis, Phil Grenier, Francis Mallette, Tampa Bay, Toronto, Seb Barré, Vancouver, Yann Richer, gros club, Vegas, Maxime Vien, Olivier Chalifou, Washington et les Jets, Nicolas Bélanger. Donc, on va commencer. Tout à tous, un asti de bon show. On en a pour au moins 1 an et demi. Vous le dites tout de suite. J'espère que vous avez pris une petite bière. J'espère que vous avez pris une petite bière parce que là, on s'en va direct live sur la scène. Et puis. On y va avec le défilement. En passant, Nicolas, quelqu'un qui serait prêt à acheter ton spot. Jean-Guy Perron,
Je sais pas s'ils veulent l'acheter, mais il était acheteur pour les mondes qui voulaient pas leur club, ok? Donc, je sais pas si tu veux vendre ton club de Winnipeg. Je sais pas si Jean-Guy tout court est intéressé. Parlez-vous dans le chat. Donc, on va mettre le défilement, bien sûr, parce que c'est le plus important. Ça, j'enlève mon clavier, puis on commence avec des séries 1 ici. Commencer avec des séries 1. Nicolas Bélanger, le temps positif, qui nous dit que Stick notre show est bon. Il commence tout le temps de même, puis là, tabarnak, on dirait qu'il a jamais bon club ici. Beach Everyday. Beach Everyday. Ouais. Pas tant que ça, mais let's go. Ok, donc, on va commencer avec la première série 1. Si on veut terminer, parce que là, on en a 11 à ouvrir. C'est la première des 11. Bienvenue au break numéro 100, mesdames, messieurs. Oh comme dirait Joe Estelle à la ECW. Et là, c'est un qui peut me mettre au parfum. Avec Team Canada, c'est quoi le score? Là, mettons, rap, puis quand ça va être fini, me dire ça a fini combien le score. Je pense que le Canada va gagner, assez aisément. Mais là, c'est de savoir si on va être capable de plus dominer. Parce que là, en deuxième période, la Slovaquie avait l'air d'avoir le vent dans les. Et ça, c'est 1-0 encore, là. Fait que la Slovaquie, ils les tiennent, là. C'est un 0. Quand j'ai arrêté de l'écouter, ben, tant mieux qu'on est loin d'hier. Parce que moi, c'est une game de 16 à 2. Tu sais, je trouve ça vraiment à chier. J'aime ça. Moi, j'aime quand la. Pas nécessairement la parité que ça soit vraiment, vraiment serré. Là. Mais tu sais, t'es rendu au championnat du monde. C'est supposé être les meilleurs du monde. Puis on dirait que tout le temps au hockey, c'est juste 4 pays qui sont capables de toffer. Ton Charles, c'est filles, là. Mais Chris, c'est une fille. Il y a quoi? Il y a 3 pays? D'un gars, il y a combien de pays? 5 pays qui sont capables de compétitionner, maximum. Yann Richer qui est soit content, pas content. Mais il y a Pittsburgh là, Yann ici. Puis les Flames. Qu'est-ce qu'il y a là? Parce que là, avant que j'ouvre de quoi, là, il y a un qui écrit avec plein de dés, fait que je sais pas si il y a une erreur quelque part. Ok! Donc, Jean-Guy qui a acheté le spot. De Calgary. Là, moi, dans mon Excel, j'ai changé Perron. Je le changerai pas tout de suite dans le défilement. Là. Si j'ai le temps dans pas long, je vais le faire. Là. Mais là, pour l'instant, je vais l'échanger dans mon Excel. C'est noté. Perron a les Flames. Monsieur Jean-Guy Perron a les Flames. Il a trouvé preneur. Et là, moi, j'ai besoin de. Man, ok, ils sont ici, Baby Gray. Bien sûr. Là, on va y aller à coup de 3 équipes. 3 paquets. On commence pour qu'on puisse terminer. Hein. Et puis. Donc là, inquiétez-vous pas, on va pas prendre l'habitude de faire des breaks à 100$. Là. C'est vraiment juste parce que c'était le centième. Les breaks à 30$, 25$, ça vient de demain. On va en faire une fois de temps en temps des big de même parce qu'on aime ça. Donc, premier hit, Yuli Canvas pour Saint-Louis. Saint-Louis, possession de notre ami Phil Grenier. Mais là. Ok. On va mettre ça dans l'attente. Et on continue. Nashville, Predominant, Roman Yossi. Nashville! Phil Grenier, hey, c'est bon, il finit rien de deux spots. Pogne les deux. Saint-Louis, Nashville, back-à-back. Et là, ce qu'on veut, c'est les Young Guns. Debut date. Morgan Frost, qui avait fait un but. Un petit but pour David Frost à sa première partie. Pour Philadelphie. Philadelphie à Monsieur Villeneuve. Fait que le transfert, il va falloir que tu le fasses à Yann en passant. Oh, moi, mon histoire, non, je suis pas de la compter. Là. On peut bien la compter si vous voulez, là, mais il y en a plein qui la connaissent déjà. Mais je peux la compter, man. Tabarnak, c'est long en estime, mon histoire en plus. Hein. On en a pas assez de 1 et demi, je te le dis. Mais. Mitch Marner, Maple Leafs de Toronto.
Et Toronto qui est possession de Chris, je pense que c'est un Sébastien Paré qui disait tantôt que tout ce qu'il avait appris avec Savage, pourquoi ça s'appelait Savage, c'est parce que quand vient le temps d'avoir un spot, c'est Savage en tabarnak. Et là on a une World Wild. Et là je pense qu'on va avoir quelque chose d'agréable. Chris, on va avoir deux World Wild. On a la première World Wild du Letton, monsieur Elvis Meslikin. Mais là, on va avoir une World Wild qui sait de s'en aller depuis tantôt de la Russie. Nice one! Une celle, dans le fond, la dry cut de Ovechkin. Fait que tant qu'avoir une World Wild, c'est une World Wild de même qu'on veut faire, là. Donc, super belle carte. Puis en passant aussi, là, en plus d'avoir la boutique, ben, on fait des rénovations parce qu'on va avoir un plus grand local bientôt. Ouais, un peu plus grand local bientôt. Breaking news! Et puis, parce qu'on a besoin de place, nous autres, parce que on a un entrepôt à l'arrière. Fait que c'est ça. Donc, pour les deuxièmes chances, là, demain, il y a un blitz de deuxième chance. Donc, on devrait se rendre en faire comme la dernière fois, là, pour à peu près pour 600$ de deuxième chance. Fait que, stay tuned demain pour ça. Young Gun, la première, et Rangers. Je sais pas si t'as eu peur, si t'étais alerte, là, New York, là, Eric Leblanc, là, mais c'est sûr que c'est un peu excitant de voir quand c'est les Rangers. Là, c'est l'autre. L'autre, c'est pas un pied de céleri non plus, on s'entend. Et voilà, on va la placer ici, la première Young Gun. Yuli Canvas, Chris Kreider. Fait quelques fois là, que je la pogne dans les séries 1, celle-là. Donc, hey, tantôt, on a-tu été grillé avec notre série 1 avec 6-8 Young Guns au total. Une Clear Cut, une Jeune Lou. Une Yuli Portrait de Max Domi sur 25. Josh Norris, hey, ben c'est deux bons là. C'est deux papés pantoute. Ottawa, Mike Trudel, Josh Norris. Des coups de marteau. Non, ça c'est. Attends. Notre rénovation, là, elle est pas dans notre bâtisse, là. Elle est ailleurs. Une autre bâtisse, là. C'est à côté, mais c'est pas dans la même bâtisse. Fait que ce que t'entendais, c'était notre voisin qui lui fait des rénovations dans sa boutique, pis c'est lui qu'on entendait. Fait que oui, je viens de comprendre. Chris Connor, McDavid, Yuli Portrait pour les Oilers d'Edmonton, GCC. Young Gun, Morgan Geeky. Do you love me? Donc, Nicolas, il veut savoir un peu mon histoire. Par où commencer? Fait que comme j'ai dit l'autre jour, Cam Fowler! J'aimais pas l'école. J'haïssais ça, j'avais pas des bonnes notes. Mais je changeais d'école, j'ai genre fait comme primaire, secondaire. J'ai fait à peu près 20 écoles. Ok, peut-être pas 20, là, mais mettons 12.
Puis j'ai doublé deux fois au secondaire. Et là, j'étais allé travailler au Mont-Saint-Sauveur. Je me suis rendu compte que c'était pas ça que je voulais faire dans la vie, tabarnak. Travailler au Mont-Saint-Sauveur. Fait que j'ai fait, je vais aller étudier. Je savais pas trop dans quoi je voulais étudier. Fait que j'ai fini mon école, j'étais à l'école des adultes. Fini l'école à l'école des adultes. Fait que j'ai fait mon secondaire 4 et 5 aux adultes. J'ai fait mettre dehors de mon école en secondaire 3. Rétrospective, Ilya Samsonov pour Washington, Olivier Chalifou. Et c'est ça. Jacob Slavin pour les Hurricanes de la Caroline. Fait que j'allais faire j'ai fini mon école là, et là j'allais au cégep. J'ai commencé en sciences humaines. Après ça, j'ai changé parce que je pensais vouloir faire une technique en gestion et comptabilité. Gestion de commerce et comptabilité. J'ai trouvé ça pourri pendant comme une session. Fait que je suis retourné en me disant que j'allais à l'université. Je savais pas dans quoi. Austin Matthews, Predominant, Toronto, Sébastien Paré. Puis finalement, je suis retourné finir ma science humaine. J'ai envoyé deux candidatures à l'université, une à Sherbrooke en droit. Et une à Trois-Rivières en enseignement du français au secondaire. Et puis j'ai suivi ma copine à l'époque qui était allée à Trois-Rivières. Donc j'ai étudié après ça à l'université en enseignement du français au secondaire. Et pendant... que tu vois que je savais pas trop ce que je voulais faire. Fait que à l'université, à un moment donné, j'ai changé pour aller en communication. Je suis revenu finir mon bac en enseignement du français. Ouais, c'est moi ça, c'est moi ce gars-là! Il y a d'autres histoires qui s'en viennent, mais là on a une UD Portrait de Gabe Villardi, UD Portrait Rookie pour Los Angeles. Max vient, qui a 3 spots, merci Max, si. Ose du monde comme toi, là, qu'on remplit ça en 3 secondes et quart. Je pense que c'est une debut date, non! C'est une. Pour les Sharks de San Jose, Thomas Sertel, le Slovaque, hein? Donc en ce moment, la Slovaquie, ben Junior affronte le Canada. Et là, la prochaine, ça va être une Dazzler. Dazzler, Ben Bishop pour Dallas. Bruno Tremblay qui a 2 spots. Et il va en avoir un esti des cartes à choper dans ce break-là. Ouh! Ouh, maman! Base. Eux autres, on va te les placer dans le petit compartiment à cartes. Kiki, do you love me? J'ai-tu dit check? C'était pas la Slovaquie, man, ce drapeau-là? C'est sûr que c'était la Slovaquie. Le drapeau. Géographie. Merci Mathieu pour la correction. On va avoir un petit Young Gun. Oh, je pensais un petit Young Gun de Igor Korshkov des Maple Leafs de Toronto. Sébastien Paré. Puis, là, ensuite, je suis sorti de l'université. Mais je commençais à être malade. J'avais comme. Je sais pas trop qu'est-ce que j'avais, mais j'étais jaune un petit peu. J'avais les yeux jaunes souvent. Puis j'avais le teint jaune. Je savais qu'il y avait de quoi qui allait pas bien. Je pensais que c'était parce que j'avais un. Parce qu'à l'université, là. Ma deuxième maison, c'était le bord de l'université. Pasternak! Le tchèque! Base. Checklist. Young. Oh! Avec le Alexandre au début, je pensais peut-être qu'on l'avait. Mais c'est une San Jose. Éric Desjardins. Alexander True. Minnesota. Ben oui, Nicolas, là, il faut en sortir une pour la Minnesota. Là.
Tout des bases. Et là, il nous en manquerait encore deux. Non, il nous en manquerait une. Une. Après ça, on ouvre l'autre. Fait que. Au final, il nous en manque 7 minimum. Hey Yann, je suis pas mal sûr que le mot de passe, c'est le mot de passe de Transfert Interact de nous autres aussi. Fait que. Pas mal sûr que le mot de passe qu'il t'a envoyé, là, c'est Savage! Regardez ça dans la casquette avec la palette verte, attention, on va au travers. Il reste 3 derniers paquets et une carte. Fait que là, j'espère que la prochaine boîte, on va être gâté plus que ça. Parce que là, UD Canvas Keller, Yamamoto, des Oilers d'Edmonton et Denis Cardinal Charbonneau. Young Gun des Flyers, Igor Zamula. Là, on va passer pour aller voir c'est quoi le prochain hit parce qu'il en reste juste un. Là, on n'a pas eu de variation. Surprenant ça. Oh. Mais là, je pense qu'on en a passé une. Pas mal sûr qu'il y en avait une. Ben oui! Philippe Dano en français, s'il vous plaît. Dano! Dano n'a pas fait preuve de favoritisme en préparant 3 buts dans la victoire de 4 heures de moyenne sur Philadelphie le 16 janvier 2020, obtenant une mention d'aide sur les buts de Thomas Tatar, Arthur Lekkonen et Ilya Kovalchuk. Hein? Ilya Kovalchuk qui est maintenant sous la tutelle de Bob Hartley dans la KHL. Hein? Lui qui a été son coach durant 3 ans. Et peut-être que les Jets de Winnipeg en ce moment, dans le break, Nicolas Bélanger, tu pourrais te retrouver avec une carte de mettons une petite rookie là, Kovalchuk dans l'uniforme là, ou une Kovalchuk tout court dans l'uniforme de d'Atlanta là. Ça va à toi ça, man. Il en reste une autre, Eric là. Hey, t'as dit fuck, mais il en reste une autre. Des Rangers. C'est pas une boîte qui va passer à l'histoire. Il y a la dry cut là qui est nice. On a eu quelques gars que j'aime bien. Mais là on va les enlever. On va mettre celle-là ici. J'ai pas vu Hoffman avec Saint-Louis. Non, en essai. Ça c'est weird qu'il y ait un essai. Le gars. En fait c'est que le gars. Les propriétaires profitent du fait que le COVID pour dire qu'ils donneront pas l'argent qu'ils ont gagné l'année passée parce qu'ils sont vraiment sûrs de rien. Mais tu sais. Ouais, putain, là, il a quand même l'air d'une bonne pompou, là. Il a l'air d'une petite bonne pompou, là. T'aimes ça quand je dis quoi à Nicolas? Parce que là, j'en dis bien les affaires. Et let's go les copains, c'est parti pour une autre série 1, deuxième boîte sur 11, centième break, yes sir, vous êtes les meilleurs. Point final. Point final. Une petite variante ici en français, s'il vous plaît, de Sermion Varlamov. Varlamov qui a signé un contrat de 4 ans avec les Islanders avant la saison 19-20 a remporté 5 départs de suite le 12 octobre au 2 novembre. Il a accompli cette séquence en réalisant 27 arrêts dans une victoire de 1-0 sur les Sabres de Buffalo. Cool. Oh, il va avoir une petite Young Gun. Est-ce que c'est Lafrenière? Et c'est Artem Zagidoulin pour les Flames de Calgary. Les Flames qui sont maintenant une possession de Monsieur Perron. Qui va acheter le spot à notre chum Yann Richer. Ryan Johansson
Avec sa petite moustache, là. Puis son petit pad en arrière, là. Il prend son café. Il a l'affaire, le Ryan. Cédric qui nous dit bonjour. Salut Cédric, salut Cédric. Eric qui dit que c'est la bonne. Je te souhaite que ça soit la bonne. En fait, c'est que c'est sûr que la boîte, elle va s'améliorer. Après, c'est sûr que Romain Young Gun, Artem Zagidoulin, c'est pas mal sûr que la boîte peut faire mieux. Let's go! Début date pour Mario Ferraro des Sharks de San Jose et Eric Desjardins. Matthew Tkachuk pour les Flames de Calgary. Une Young Gun. Une à deuxième. Et c'est une Lucas Carlson pour les Blackhawks de Chicago. Les restes, c'est des bases. Et qu'est-ce qui est le fun? C'est celle-là. Là, quand je parlais de l'acétate qu'on a eu, Young Gun, Clear Cut, c'était celle-là. C'était une Lucas Carlson, défenseur Chicago. Tommy! Gagnons! Merci Tommy pour l'achat de tes trois spots. En espérant que ça devienne payant pour toi là. Sinon, Nick, si t'as des questions à me poser, vas-y, moi ça me dérange pas de répondre. Je suis. Fait que là, c'est ça où j'étais rendu. Je savais que j'étais malade, je le voyais que j'allais pas bien, tu sais, pis. Mais c'est parce que j'étais juste jaune, tu sais, des fois. Là. Puis là, des fois, on m'en parlait. T'es dans mes jaunes, tabarnak. Là, j'étais genre, ben là, je sais pas, mais des fois, je me réveille de même parce que j'ai bu la veille. Puis là, je pensais que si j'avais un rythme de vie plus normal, là, ben, genre, ça allait mieux aller. Et à un moment donné, ben, il y a une madame au dépanneur qui m'a dit: début date, Ilias Samsonov qui a commencé contre les Islanders. Et qui a signé une belle victoire avec seulement un but alloué en 25 tirs pour Washington, DC, qui est à Olivier Chalifou. World Wild, là c'est la Slovaquie, merci. Voir que tantôt je me suis trompé. La Slovaquie, Thomas Tatar, pour Montréal et J.S. Villeneuve. Pourquoi j'ai ouvert ça, man? C'est pas rapport, ça. Ouais, ok. Yuri Canvas, Jeff Skinner, l'homme aux 40 buts à sa première année avec Buffalo. On espère qu'il va répéter l'exploit cette année. Décision très décevante l'année passée. Je le souhaite pour Sergio. Non, mais genre, j'étais vraiment insulté à un moment donné, là. J'étais comme genre, là, je le voyais, là. Je pourrais vous mettre une photo sur le site, là. J'étais jaune, là. J'étais fucking jaune, là. Je faisais une journée, dans le fond, là. Puis, la fille, elle me dit: oh mon Dieu! Une fille au dépanneur, là. Je suis comme Chris, je m'ajoute de l'essence, là. Elle me dit: c'est normal que t'aies les yeux jaunes de même! Là, j'ai fait comme... Là, je suis comme insulté, là. J'étais comme: ah, qu'est-ce que je pourrais y répondre? J'ai dit: ouais! J'ai le cancer! Puis j'ai dit: on en fait la même, parce que comme genre, je vais la rendre mal à l'aise tant qu'à ça, tu sais. Je vais voir le médecin après. Puis, c'est ça. S'en est suivi plein de tests, parce qu'il voulait savoir qu'est-ce que j'avais. Il savait que c'était avec le foie. Là, il y avait des, comme des. Des hypothèses, puis c'était pas des hypothèses cool, tu sais, fait que je voulais pas trop y croire. Young Gun, Kirill Ustumenko, tabarnak, hein, les deux bons goalers du set, Kirill Ustumenko, dans les Young Gun, et Adigoulin. Puis une des dernières fois qu'on m'en a parlé, parce que dans le fond, là, j'ai été jaune pendant vraiment longtemps, parce que... Nice, 2-0, Canada contre la Slovaquie. Puis, même si après ça, quand ils ont découvert ma maladie qui était fucking rare, puis qu'ils ont fait comme: bon, ben ta maladie, malheureusement, il n'y a pas de remède contre ça. Puis, Marc-André Fleury, Las Vegas, ils ont fait: bon, il n'y a pas de remède contre ça, mon ami, fait que va falloir attendre
que ton foie soit tellement à chier que on va t'en greffer un autre. J'ai genre 26 ans là, à ce moment-là. Là. Puis je le prends pas trop mal. Je suis comme ok, man. La cause de merde, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ça. Hein? Puis fait que bref. Puis une des dernières fois là. Fait que là, j'ai décidé que je voulais pas enseigner parce que j'avais pas envie d'aller. J'étais quand même fatigué. Là, parce que c'était un des symptômes, c'est que j'étais tant fucking fatigué. Parce que dans le fond, mon. Oh, on a une pink en dessous. Une David Pasternak, le check. Merci Mathieu tout à l'heure. Provenant directement de la République tchèque, David Pasternak. Et une des dernières affaires, je me souviens. Parce que les mondes, c'est ça. C'est que j'ai réalisé que les gens. Ils sont pas méchants. T'sais, quand quelqu'un me posait des questions sur pourquoi j'étais jaune, même si j'étais comme genre insulté, en même temps, si tu veux, je leur dis. Là. C'est rien que je tente. T'sais, je me souviens, une demande d'amour dépanneur m'a amené une autre caissière. Puis, je perdais du poids. Là. Déjà que je suis pas gros, là, je perdais du poids parce que genre ça grugeait. Mon système digestif était plus bon. Là. Mon foie il fonctionnait pas. Je gérais par les intestins. Wall Wall, Philippe! Philippe Gruber! Pour l'Allemagne, ça va à Colorado. Julien Blouin, Tachereau. Puis, je me souviens, elle m'avait dit comme, ah. Oh. Puis elle a dit, qu'est-ce que t'as, nanana, moi. Mon mari avant, mais il dit, mon mari est mort, puis il avait les yeux jaunes, puis il avait le cancer du pancréas. Puis tu sais, dans le fond, tout ce qu'elle voulait, c'était... probablement juste me parler puis genre vouloir comme me dire qu'elle comprenait ou je sais pas quoi, mais t'sais. Rookie Retrospective, nice! Pour Quinn Hughes! Et Vancouver! Merci Anne Richer. C'est le seul spot que t'as gardé. Vancouver, pas un mauvais choix. Là j'étais comme, ah t'sais madame, je vais acheter mon Gatorade là puis je vais laisser passer la thérapie gratuite aujourd'hui. Je vais juste payer ma bouteille puis je vais m'en aller. Et là, un moment donné, ils m'ont appelé pour me dire « Ah oh, bon, ça va se passer cette nuit, tu vas te faire opérer mon chum. » Fait que j'étais à l'hôpital. Fait que j'ai fini mon chiffre au bar parce que je travaillais au bar. Parce que quand j'étais malade 10 fois, j'ai décidé d'aller travailler au bar. C'est comme ça, quand je travaillais le soir, ça paraissait pas trop que j'étais jaune. Les gens, ils pensaient juste que j'étais fatigué. Fait qu'ils me parlaient pas vraiment, ils pensaient que j'étais bronzé. Fait qu'ils me parlaient pas du fait que j'étais jaune. Tandis que dans le jour, j'étais vraiment jaune, ça paraissait. Donc, Yuli Canvas, NZ Capital, assistant capitaine à LA. Maxime vient. Gab Villardi. Nice. Belle petite carte, ça. LA. LA. Fait que c'est ça, man. Mazzucalello, un Norvégien, de la Minnesota. Je pense que le chat a de la misère là, parce que là, au moins qu'il y a du monde qui... Voici. Fait que là, il nous manquerait encore deux Young Guns. Parce que là, on a eu les deux bons goalers. Oui, non, là, on va l'appeler. It's up to you, New York. 2 à 1. Oh, là, et là, la Slovaquie qui s'approche. 2 minutes 24 à faire. Oh, c'est excitant quand même. Et là, avec la boutique, là, on va installer une télé. Là. Et on va installer un petit PlayStation avec NHL. J'ai racheté NHL finalement hier. Et qu'est-ce qu'on a ici? Une Peyton Krebs. Ça, c'est une belle. C'est une belle Peyton Krebs. Ça, le Vegas, là, Maxime vient. Ça en est une belle. Ouais, t'as raison.
Alex Miron, t'as Boston. Si tu te l'as demandé, je vais aller genre le défilement. Je vais le changer. Pas le choix. Il commence à Buffalo, Chris. Bonne observation. Bonne observation. Merci, Alex. Bonne observation. Et voilà. Là, c'est correct. Jason Robertson, le frère de Nick Robertson qui joue à Toronto. Et là, c'est ce qui mettrait fin à nos Young Guns. C'est ce qui mettrait fin à nos Young Guns, esti. Esti, Tiboire. On n'a pas eu de notre Lafrenière. Je l'avais, j'ai hâte de l'avoir. La dernière, le pire, c'est que je l'ai sorti comme avant hier. J'ai sorti de 24. Oh, Young Gun! Oh, shit! Ça, c'est nice! Peyton Krebs, Young Gun, Canvas, Vegas. Maxime vient, nice hit, ça, nice hit. Yes! Hey, ça c'est un beau Welly! Yes! Le pays là, c'est que ce monsieur-là, là, il a compris de quoi dans la vie que moi j'ai pas compris, man. Et là, on va avoir 0 malice, peut-être super gentil. 3-0, filet des heures, et voilà. 3-1, excusez, filet des heures, bien sûr, mon chum. Hey, peut-être qu'on a une clear cut, là. Peut-être qu'on a une clear cut. Never say never. Patrick Kane, predominant pour les Blackhawks de Chicago. On va avoir une petite UD Portrait de Max Domi. Le jersey Patrick Laine. C'est ce qui mettrait fin à notre super belle boîte. Hey, j'avais pu la choisir. J'aurais choisi une belle boîte, notre centième. Hein. Mais bon. Il n'y a pas de façon de savoir quelle boîte est bonne. S'il y a une façon, on ne la connaît pas. Fait que... Mais quand même! Première fois que je vois la petite Young Gun Canvas là, de Peyton Krebs, je la trouve vraiment belle. Elle est vraiment nice pour vrai. Là. Et waouh, je l'aime bien. Et là, on va passer parce que là, il y a beaucoup de défilements de cartes. Ok, on va aller avec la... On va y aller avec la trilogie 17-18. C'est ça qu'on va faire. Jersey, c'est toujours un hit. Attends là, Nicolas, man, tu sous-estimes pas les Jets là. Tu sous-estimes pas les Jets. C'est rookie! Numéroté! Jersey! Numéroté! Jersey, auto, patch, rookie, numéroté, jersey, auto, patch, auto tout seul, patch tout seul, numéroté, tout seul, rookie, patch, jersey, c'est ça. UD Portrait, c'est les plus gros hits qu'on a, ça. Les UD Portrait, c'est les meilleurs. Non, les UD Portrait comptent pas. Hein. C'est carte à 12 cents et quoi. Mais c'est pas grave, c'est peu importe, là, il y a des UD Portrait qui valent cher. Il y a beaucoup de UD Portrait qui valent rien. Mais c'est juste qu'on a tranché un moment donné où est-ce qu'on mettait la ligne. C'est ça. Et la trilogie 17-18 avec Carey Price. On commence avec une basse de Monsieur Zuccarello. Oh, rookie premier level 1 de Evgeny
Zevnikov, la 23e sur 999. Ça, c'est le frère de l'autre. L'autre qui est meilleur. Lui, c'est le plus tough des deux. Là. Lui, il avait menacé Ovechkin de casser la gueule. Il n'a jamais joué dans la Ligue nationale après ça. Parce que, tu sais, Ovechkin avait crissé une volée à son frère. Un bon point dans la gueule. Puis, lui, il avait dit, hey man, tu vas voir l'année prochaine, moi, tu crissé une vrince. Finalement, il a jamais joué dans la Ligue nationale. Et une base, base. Ils sont belles, hein, les 17-18. Pierre-Luc Dubois, rookie première, level 1, 946 sur 546 sur 999 pour les Blue Jackets de Columbus. Belle petite carte, ça. Pierre-Luc Dubois, rookie, là. Level 1. Nice hit. Base, base. It's up to you, New York. Oh, Mikael Granlund, signature puck pour le Wild du Minnesota. Eux qui décrochent la première signature de toute la gang depuis le début. Et c'est une belle signature puck trilogie de Mikael Granlund. Minnesota, Joe Raymond. Félicitations. Et là, j'avais apporté des gros tics. Mais le pire, c'est que pour vrai, là, les photos de matériel maternel sont plus belles que les photos dans le passé à 100 000 à l'heure, man. On est rendu à la troisième boîte, ça va aller de plus en plus vite parce qu'il y en a de moins en moins. Brock Besser, rookie première! Hey, ça, c'en est une belle aussi, Vancouver, là. Yann Richer, nice hit, ça. Nice petit hit, ça. Monsieur Brock Besser, le joueur préféré de JF Raymond, ton ami. Yann, 279 sur 399 exemplaires, la jersey rookie première, level 1. Rien de moins que la level 1 pour toi. It's up to you, New York, New York. J'ai un peu mal à la tête, là. Je vais l'avouer. Oh, je pense qu'on a un autre rookie. Un autre rookie première. Et celle-là, c'est une Riley Barber level 2. Donc, signature de Riley Barber et deux signatures dans cette première-là, c'est cool. Donc, elle est pas numérotée par contre. Si oui, non. Ah ouais, ça existe des premières pas numérotées. Je savais beaucoup. Ah ouais. Washington DC, Olivier Chalifoux. Base, base. Fait que là. Si on se fie aux trilogies de maintenant, on aurait pu de jersey, puis on aurait pu de signature. Jeff Carter, trilogie sur 999, la 430e print pour LA. Et ensuite, on a une Beau Orbit base. It's up to you. Comme ça, puis qu'elle est numérotée, c'est un hit. Ok. C'est un gars qui sauve des gueux. Oh, une petite base de Wayne! Gretzky, trilogie. Trilogie Joe Drouin, 871 sur 999 pour Montréal. JF Villeneuve. Et base. Je vais enlever ma casquette.
Fait que là, c'est ça, j'étais rendu au bout où je me suis fait greffer, pis oh, on a un autre tic, on a un autre tic, je vais passer à d'autres choses. C'est pendant que je vais défaire les paquets de cartes, je pense que je vais parler de ces histoires-là. On va là en dessous. On a une tic, pis on a une rookie première. On va aller voir la rookie première en premier. C'est pas une rookie première pas en tout. C'est une Marc-André Fleury sur 999 pour les Golden Knights. Hein, 17-18, ils avaient les Golden Knights. Maxime vient, tu te retrouves avec une petite carte de Marc-André Flower. Dit le meilleur coéquipier de toute l'histoire de l'humanité. Et là, en dessous, on a une tic. Et on a une autre jersey maintenant. Nice hit. Sur 77 seulement exemplaires, c'est la 73e print de Mitch Marner jersey. Toronto, Sébastien Paré. T'as un chandail, esti, qui s'en va chez vous. Numéroté sur 77 seulement. T'as la 63e exemplaire. Beau petit hit, ça. Beau petit hit. Là, toi, quand tu dis ça, Sébastien, là, ya 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 comme ça, là, moi, ça me fait penser à la toune de la chanson de Offspring. Ya 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 ya! C'est ça. Là, on va y aller avec l'SP. À un moment donné, je vais arrêter de frapper à la crise de la caméra avec mes affaires. Mais c'est le risque. C'est le risque du métier, vous comprenez? Et là, on va ouvrir la SP avec toutes les decoys dedans. Ça va être incroyable. Toutes les petits sandwichs à la crème glacée, plus épais que qu'est-ce qu'ils sont en réalité. Yeah, 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 yeah. Il y en a trois autres aussi. Et on y va, c'est parti, bonne chance à toutes. La SP18-19, une Clayton Keller, on se souviendra de son année recrue 17-18 où la lead est l'école Keller avec 20 power play point. Un de mes joueurs favoris dans les nationales, ça. Une update du Jake Muzzin de la série 1 de cette époque de 18-19. Benjamin Kachek, Joe Drouin. Attendez que Maman, Rasmus Dahlin, lorsqu'il a été repêché. First overall, le 22 juin. Pour Buffalo. Et Sergio Dacuna. Julien Tachereau qui vient d'arriver, je pense, et qui réalise que Colorado, ou qui trouve que Colorado sont pas assez encore. Les deux sont. Je pense que les deux sont bons. Hey, merci encore la gang! Asti, grâce à vous autres! En ce moment, je travaille sur des affaires que j'aime faire. Je suis un passionné, fait que. En étant passionné, ben. Asti, moi j'essaie de vous donner. Oh, Enzo Kopitar, année recrue 2006-2007. Et il réussit à avoir 41 assistances à son année recrue. Une SP authentique, justement, de Monsieur Kopitar, la Limited Red One. Let's go. Antonik Moment. Andrei Zajnikov, qui marque son premier but, je pense, exactement. Le premier gars né dans les années 2000 qui réussit à faire un but dans la Ligue nationale. C'est que je suis rendu vieux, man. Il me semble que pas si longtemps, c'était genre
Oh mon dieu, le bug de l'an 2000. Le bug de l'an 2000. Sachez que moi, j'ai 35 ans. Je suis vieux. Je suis un vieux, moi. Hey non, je suis pas vieux. Génial. Mais je pense que ça, n'importe quel âge vous avez trouvé que vous êtes vieux. C'est là, Chris, j'ai 25, là. Je m'ennuie quand j'avais 20. Ah, j'ai 30, là, je m'ennuie quand j'avais 25. Il y a juste à genre 18-19 ans où t'es comme genre... Je suis jeune, pis c'est ça. J'en reviendrai pas au secondaire. Qui c'est qui sort du secondaire qui fait comme moi, je serais resté ici? Ben dans le fond, moi j'ai pas eu de belles expériences, je pense. Là. Parce que... J'avais une genre de... Oh, Jérémy Lauzon avec les Bruins, The Future Watch, signature Boston. Alex Miron, qui a la première signature SP ce soir. Oh yeah, j'avais vraiment pas une belle relation, man, avec avec l'enseignante. Avec qui j'ai eu un problème. C'était un cours d'informatique, là. Mais tu sais, là, j'ai dit que j'avais 35 ans. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Jeff Ouellet? Plein de points d'exploration. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Base. On a notre deuxième signature. Là, on a une Luke Kunin sur 999. La 83e print Future Watch pour le Wild. Hey, le Wild qui, au final, se retrouve avec deux signatures. Hein? Pas au final. Jusqu'à présent, parce que c'est la quatrième boîte seulement là, qu'on déballe. Là. Mais les autres, ils vont vraiment vite, c'est des paquets, là, t'sais. Après cette SP-là, il nous reste une autre SP, puis après ça, c'est des paquets vraiment minuscules. À date, c'est tranquille. Young Gun, Colin Delia. Et j'ai comme pas fini ce paquet-là, comme un idiot. Bravo, Fred. Nice, maintenant la Floride. Gros, je veux que tout le monde sorte la Floride. Je veux que tout le monde ait des hits. Tout le monde soit content. Hein? Oh, nice, une petite Spectrum ici pour Tampa Bay. André Vasilevski. Spectrum FX. The Lightning. Le Lightning de Tampa Bay, André Vasilevski. Les bases. The Bell of the Ball. The Bell of the Ball. Comme dirait notre ami Michael Scott. Et on y va! Pécari, les Limited Red One pour Nashville. Voyons notre signature là. Voyons notre signature là. Fantastic moment! Alex Ovechkin qui venait de gagner la Coupe Stanley. Et la Conn Smythe! Très belle carte. Hey, y avait-tu fêté cet été-là? Les vidéos qui passaient sur internet étaient fous là, Ovechkin cet été-là. Il était complètement cinglé. Hein. Là, je me suis pas gagné NHL. Et là, j'ai joint mes amis qui avaient parti en équipe. Mais il manquait la superstar. Je suis arrivé dans l'équipe. 4 victoires, 1 défaite. Une game de 5 buts. Incroyable, hein. Commencer de même ici. Connor McDavid, Authentic Moment. Premier bout du chapeau, j'imagine. Non, oh, non. Le 5 février, il réussit à faire 4 buts. Non. À 3, il avait surtout du chapeau. C'est pour ça qu'il est entouré de chapeau. Turner Pearson. Update, c'est rien. Young Gun. Oh shit. Oh, nice one. Saint-Louis. Phil Grenier. Une Young Gun update.
Clear. Ouh là 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 là. Gros fucking hit, ça. Robert Thomas. Nice. Pas un pizzerie en plus, là. Clear cut. Nice hit. Sorti de nulle part. Puis, bon. Jean-François Ouellet qui a pas l'air. Moi, je réponds aux questions des gens en passant, là, monsieur Ouellet, là. Qui a l'air comme. De se demander pourquoi je parlais de mon secondaire, puis de dire que lui était capable de le faire aussi. Tout le monde est capable de breaker aussi, hein. Tu peux breaker chez vous, tu peux le faire aussi, hein. Oh, Vincent! Oh, nice one aussi, Chris, une autre belle signature. Vincent Trocheck ici pour la Floride. On demandait la Floride tout à l'heure. Nicolas. Ça, c'est un des bons joueurs en plus, là. Nice one. Hey! Vincent Trocheck, la Floride! Nicolas Robert Oiseux! Trois signatures! Hey, ça, c'est une belle SP, ça, là, je suis content. T'sais, c'est peut-être pas les deux plus grosses Future Watch, là, mais la Young Gun. La Young Gun Clear. La signature de Vincent Trocheck. Fait qu'on est rendu à trois signatures. On va y avoir une quatrième. On va y avoir une quatrième signature, ça serait classe, ça. En parlant de secondaire, ça serait classe. Classe de secondaire. Ah! Bon, et le Sergio qui veut du Buffalo, je t'en souhaite. Corner, mec Croquette. Qui, ici, un petit update du match des étoiles. Nice, Edmonton. Monsieur Denis Cardinal. Joe Sakic, où on se remémore sa année recrue à 19 ans. Qui a deux game winning goals. 1988-1989. Si, boire, man. Je te le dis, man. Ma sous-marine, Yann, là, au baseball, là, à un moment donné, là, tu vas. Je suis sûr que je suis prêt à te striker pour vrai, man. Laisse-moi rester un été, là. Ma balle est tellement lente que tu seras pas capable de la frapper, je te dis. Vladimir Tarasenko. Petite Limited Red. Saint-Louis. Base, c'est ce qui mettait fin à notre SP. Chris, finalement, on en a eu une belle avec la petite Thomas et la petite Trocheck. Moi, je suis bien content, je suis bien satisfait de cette petite boîte-là. Et là, nice, on va l'enlever celle-là, on va mettre celle-là. Et on va mettre Jérémy parce que Jérémy, c'est un Québécois. Et là, on va y aller avec la trilogie, la Ice. On va y aller avec la Ice. On va y aller avec la Ice 17-18. Après ça, on va aller. Ouais. On va aller avec la Ice 17-18. Et après ça. On va faire la SP 19-20, la trilogie. Deux chronos, la Ultimate. Ben, de profession, moi, je suis enseignant de français en passant, là, monsieur Willett, là. J'ai étudié là-dedans, j'ai enseigné un peu. Puis, j'ai pas vraiment aimé ça. Mais oui, elle me mettrait souvent dans ma poche, mais je sais pas qu'est-ce que tu veux au juste, en ce moment, pour de vrai. Donc, base. Ensuite, une. Ouh, Martin Neka! Sub-Zero Rookie. Elles sont belles, hein, les cartes, hein, de Ice. Donc, Sub-Zero, Rookie, Caroline, Tommy Gagnon. Je pense que les subs. Non, ça sent parfait. Hein. Ça sent parfait, hein, ça. Fait qu'on dirait toutes des clears, mais c'est les bases qui sont clears. Donc, c'est vraiment des belles cartes.
Une première Oscar Fantenberg sur 1299 prints, c'est la 835e. Quand tu commences à aller dans 4 chiffres, là, ça commence à en faire beaucoup des cartes imprimées. Hein. On y va. Et voilà. Non, monsieur Bizou, il est pas là. C'ti. Il est où, là? Il est où, Nicolas Gaudreau? Mais ils ont arrêté ça, hein, de faire des. Les ice sont vraiment plus de même. Hein. Ils sont vraiment plus. En fait, après cette année-là, il était plus clear-cut. Là. Colin White, premier jersey pour les sénateurs d'Ottawa. Sénateur d'Ottawa, pas dit beaucoup son nom, Monsieur Trudel. Non, c'est ça, faut de l'amour, là, faut de l'amour. Je pense que c'est ça qui manque, peut-être c'est ça qui manque au break. Là. Des bisous. Hey, il dit longtemps en tabarnak. Hein. Je vais le laisser jusqu'au bout. Au fond, qu'est-ce qu'on veut? Au fond, qu'est-ce qu'on cherche? Quand on se dit fuck, c'est ça la tonne en gros là. Non, 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 non. C'est la tune que vous entendiez pas beaucoup, c'est ça? Attends, je vais monter un petit peu. Là. Joe Raymond, le son, tu parles de ma voix ou. Oh, là-dedans, on va avoir un beau petit hit, je pense. Je vais le laisser ici. Je vais faire les autres en attendant. Et là, ici, on a une base. En dessous, on va avoir une première. Sub-Zero, Nathan McKinnon pour l'avalanche. Nathan McKinnon. Et là, je vais monter mon son de bord de micro. Je vais monter mon son de micro. Est-ce que c'est mieux? Ça devrait être un peu mieux. Là, vous devriez m'entendre un peu mieux. Allô, 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 allô. Mon nom, c'est Fred. Mon nom, c'est Fred. Et je parle de mon secondaire. Ouais. Et la prof de français de M. Ouellet me mettrait dans sa poche. Yes. J'allais passer ça. Je pensais que c'était des bases. Je vais monter mon son alors. Je vais parler plus fort, s'il le faut. Et là, on va aller regarder. Hey, non, je vais attendre à la fin. Je sais pas c'est quelle carte. J'ai pas vu c'était quoi. J'ai vu que c'était une carte spéciale. Je vais attendre à la fin. Et on y va. Une première. Christian. Jews sur 499, ça c'est la 310e print pour Washington. Hey, je mangerais du McDo aussi en estimant pour en ce moment là. Ah, hey, ma mère elle m'a dit que je chacrais trop sur le live. Je m'excuse. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Une Nicolas. Et là, oh shit, The Great Dance, sur 75 seulement. Est-ce que c'est hot, les signatures? Est-ce que je trouve ça cool, les signatures? J'adore ça. Signature, Winnipeg, les Jets de Winnipeg. Les autres aussi, là, les Jets, là, ils ont eu quoi tantôt, là? Tabarouette. Les Jets de Winnipeg qui ont Nicolas Heller. Nicolas Bélanger qui a une signature sur 75 prints seulement. T'as la 49e print sur 75. Yes, mon ami. Et voilà. 49,75. Mais, qu'est-ce qui. The Great quoi?
The Great Dan. Je sais pas, man. Mais bref, juste le fait, ça là, ça qui est écrit par des. Tu sais, c'est un joueur qui prend le temps d'écrire quelque chose de comme un peu personnalisé, je trouve ça super classe. Et là, on a fini la 17-18. On va aller dans la trilogie 19-20. Et attends, je vais vous montrer le numéro là. On va faire une petite surprise. 0786. On va aller dans la chronologie. Une fois. On a le goût d'avoir des titres. On a le goût d'avoir des titres. On veut se faire amuser, là. C'est DCC. C'est vrai. C'est vrai. Moi, je trouve qu'en vrai, ça sacre trop, puis après ça, je me mets à sacrer parce que j'aime les signatures. En fait, je savais qu'en commençant à me mettre sur Internet, j'allais mettre une croix sur ma carrière de prof. Donc, la chronologie, on y va. On y va rapidement parce que Chris, il nous reste quand même encore. Avec celle-là, il nous reste 6 boîtes. Rendez à moitié. Là, je pense que j'en ai pris deux. Non, j'en ai juste une. Et c'est une Carter Hart chronologie, la 112e sur 222 pour Monsieur Lavoie. Monsieur Lavoie. Et là, peut-être. Est-ce que tu l'as, monsieur. Est-ce que monsieur Richer, t'as cette carte-là? Parce que si tu l'as pas, peut-être que tu serais intéressé à aller la chercher. Parce que je sais que tu l'aimes bien Carter Hart, là. Fait que peut-être que monsieur Richer serait intéressé si jamais la carte est disponible. Là. On a une petite Ken Danico ici pour les Devils du New Jersey. Qu'on n'attendait plus, hein? On n'a pas dit souvent leur nom ce soir. New Jersey Devils, Maxime vient. Mais on a dit souvent Maxime, parce que Maxime a quand même trois spots. Et on a une petite signature ici. Quand même 1283 games, 2500 minutes de punition. Chris, dans la chronologie, ils mettent beaucoup de gars qui cassent des gueules. Tantôt, on avait un autre gars que sa job c'était de péter des gueules. Mais là, tu sais, lui, c'était un tough, là. T'sais. Tu joues pas 1300 games de hockey si t'es pas bon, là. Mais c'est sûr, c'est un esti tough, là. Ok. Mikal! Mikal Pivanka! Donc ici, 599 points. Je suis pas prof de français. Je suis copropriétaire d'une boutique de cartes de hockey. Mais t'es fatigué en esti pour être honnête. Faut te le dire, là. Tu peux aussi t'en aller puis aller écouter la TV pour faire d'autres choses. Faut juste te le dire, GF. Donc, pour les Caps, là, l'ancien logo qui est vraiment beau. Donc, Washington. Et là, on va aller voir quelque chose. Là. On va aller voir quelque chose. OK. Ok. Ouais. Non, c'est pas sa femme, c'est probablement juste sa mère. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a un autre Joe Sakic numéroté sur 10 seulement. Uniquement sur 10. San Jose qui récolte. Oh là 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 là. Joe Thornton sur 10 exemplaires seulement. La cinquième sur 10. Otto Letterman, Éric Desjardins, t'as vraiment une sapristi de belle carte. Oh là 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 là. Ouh. Et on se le dit là, on se le dit, c'est nausé. Il a peut-être arrêté d'écouter le break depuis le début parce qu'il tentait pas de l'écouter. Parce qu'il s'est dit non, 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 moi ça me tente pas d'écouter, c'est nausé. Et là, on va retourner à notre trilogie que tantôt j'avais regardé. La 7-8-6. Parce que je me suis dit, on était dû pour se gâter un peu puis avoir des hits, là. Tu sais, on m'a remandé ça un petit peu.
Mets du pep là, dans le break. Mets du pep dans le break. T'as-tu dit Joe Sakic? Ben non, Joe Cousins. Tout le monde le sait que c'est Joe Thornton, by the way. Hey là 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 là! Non, mais tu peux juste... Non, mais pour vrai, Jeff, je m'en crisse vraiment de toi, pour de vrai. Tu peux juste décoller. C'est juste ça que je t'ai dit depuis tantôt. Donc, on continue. Rookie rendition de Jimmy Schultz pour Vegas. Vegas, Maxime, viens. C'est tout, Nick. Et en dessous, on a une petite Jesper Bovisk. Numéroté sur 499 Rookie Premier Level 1. 321. Donc, New Jersey Devil. Encore Maxime vient. Donc, Maxime vient chaud dans cette boîte-là jusqu'à présent. Et on la met là-dedans. On la met dans un top load parce qu'on veut y faire attention. Denis Cardinal, un fan. Un fan depuis un petit bout en plus. Donc, merci d'être là. Denis, je te dis, un jour, on va jouer ensemble à Warzone. Ça va marcher. Pip, 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 pip. Petite rookie rendition ici de Zach McGowan. Et une rookie rendition numérotée sur 799 des Flyers de Philadelphie. De Monsieur Villeneuve, GS. Villeneuve. Je vais te mettre ça tout de suite dans un tapload. C'est-tu toi, Nick, qui avait peur que je me coupe hier, qui disait pour vrai à chaque fois, j'ai l'impression que tu vas te couper. Non, je te dis, je suis vraiment un super. Je suis vraiment un super. Je pourrais parler avec l'accent français, juste le reste du show, hein. Donc, alors, voici une baisse, comme on dit, de Sergei Bobrovski. Oh! Une rookie rendition ici de Eric Brandstrom. Oh, Ottawa! Mike Trudel! Super carte! Ah! Et là là! Et putain! Oh! Et on va aller voir en tout, qu'est-ce qu'on a? On a une Rasmus Sandin sur 999, les potes! 375! Oh là 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 là! Ok, j'ai vraiment un accent là, vraiment. Non, ça marche pas. Ça marche pas, faut que j'arrête ça. Au pays, Nick, là, ça va faire exactement comme le gars. Au pire, on aura une vidéo comme avec le pot-maçon, mais là, ça va être... Si vous voyez ce que je veux dire! Le pot-maçon, si vous comprenez ce que je veux dire. Il y en a des cartes. Et là, là, là. Base. Son deck! C'est Nick Crosby. Rookie rendition, Noah Dobson. J'ai hâte de voir la signature. C'est une signature. Eric Brandstrom sur 199 seulement. Ottawa, Mike Trudel. La signature de la boîte. Level 2. Eric Brandstrom, le défenseur. Rookie. T'as la 110e print en passant. Et voilà. C'est un des pires vidéos que j'ai vues de ma vie, ça, pour vrai, là, le pot-maçon, là. Hey boy. Ça, pour vrai, dès que ça fait... J'ai pas mis le son, dans un. Puis quand tu vois que ça fait comme pot, j'ai arrêté, j'ai fait non, c'est trop pour moi. Hey
Et on y va, Nathan McKinnon, Max Jones, Rookie Rendition. Mais là, j'y allais passer quelque chose d'autre qui est une base finalement, donc je n'aurais pas passé grand chose. Trilogie Rookin Rigged. Capo Caco, la 19e print seulement sur 1699 pour les Rangers de New York, Eric Leblanc. Ben, qu'est-ce qu'on a cassé à date, Dominique, là? On a eu une belle Letterman sur 10. Sur 10 seulement de Joe, Big Joe aussi. Big Joe Thornton sur 10 signé. Piou, piou. Les deux, Denis. Et là, il manque notre jersey. Et ça serait le fun d'avoir une... Oh! Je pense qu'on va... Oh, ok, je pense qu'on avait une patte. Il est où le jersey? On n'aura pas eu de jersey dans celle-là. Mais non, c'est pas possible. Ah oui, on a eu Beauvisque au début, désolé. Quinn Hughes, Rookie Rendition, nice. Rookie Rendition de les Canucks. Barrett Hayton, numéroté sur 399 seulement, la 65e pour Arizona. Et qu'est-ce qu'on a en dessous? Une Brady Tkachuk normale. Ok. Et là, on va aller avec la SP Authentique 1920. Puis après ça, il nous reste seulement 3 boîtes, 2 chronologies, 1 Ultimate. Et là-dedans, on va avoir deux belles signatures de Future Watch, j'espère. Que ce soit des Future Watch. Et que ce soit Quinn Hughes et Cal Makar. Ça serait très classe. Ça serait très, très, très classe. Et là, c'est le temps, là. Le Vancouver, là. Quinn Hughes là-dedans, payant. Patient. Alors, comme on dit au baseball, Yann, patient. Ben, les pingouins à date, ils ont rien eu. Ça, je le confirme. Je pense qu'à un moment donné, je vais faire une vidéo. Attends, là, t'as Mario Lemieux, elle s'en vient, Sony. Là. Parce que t'as quand même un bon club, là. Tu peux pas dire que t'as pas un bon club. T'as un club super respectable. Chronologie Diamond Relic avec Evgeny Malkin. Y'a les pingouins. Pour les Ducks, la SP essentielle. John Gibson pour les Ducks d'Anaheim. Et ça, c'est très mince. Très, très mince. On a une signature. Défenseur des Bruins. Corner Clifton. Future Watch sur 999. Nice hit, ça. Belle carte. Boston. Alex Miron. Belle carte, ça. Charles Bélanger. Bon, Éric Desjardins qui vient d'arriver. Est-ce qu'il vient de réaliser qu'il y avait une signature 5 sur 10 de Joe Thornton? Ça se pourrait, là. Ça se pourrait qu'il vient de le réaliser, là. Parce que là, j'ai... Éric. Sébastien Paré. Qui est quelle équipe? On a une Future Watch numérotée de Victor Olofsson ici, donc Future Watch Rookie Auto, la 181e sur 999 pour les Sabres de Buffalo.
Sergio Da Cunha, t'as une redemption qu'on va t'envoyer à la maison et t'auras juste à gratter et aller sur le site internet. Puis ils vont t'en envoyer une, ils vont t'en envoyer une. Fait que ça, c'est un beau hit qu'on peut pas afficher. On est à 2 signatures, déjà. Let's go, là. Il y avait une boîte l'autre jour à 5 signatures. On est gars de battre ça, nous. Sidney Crosby Update Série 1. Hey, Sonny! Yeah! Woohoo! Puis là, Charles qui dit que c'est parce qu'il est avec lui. Ah. Les cartes, hein? Amour-haine, la relation tout le monde a avec les cartes. Quand on hit, on est content. Quand on hit pas, on est comme tabarnak, qu'est-ce que la crise? Puis je comprends. Je comprends. Ça va avoir une petite authentic moment Jordan Binnington qui gagnait 30 victoires en 39 parties. 30 victoires en 39 parties. Ça, c'est incroyable. Ok, let's go Sonny. Là. Faut des cartes pour Sonny. Sonny. So, Carl Söderberg. Pour les Coyotes de l'Arizona. Sonny. 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 Panasonic. Du... Ok. Faut arrêter ça, man. Le Wild du Minnesota Eric Star, le Limited SP Authentic Red. Vous aussi, vous direz, c'est incroyable. SP essentiel, Jordan Carlson pour les Caps. Base, base, base. Les Caps de Washington. Je me demande de quoi ils vont voir là cette année, les Caps. C'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit... C'est sûr qu'il est parti, il réagit pas. Oh, Authentic Winner, la dernière qu'on a eu était signée. Bobby Orr, Authentic Winner. Hey, ça aurait été fou qu'elle soit signée. Qu'elle soit signée, j'aurais viré fou ben raide. Alex Miron, tu te retrouves quand même avec une Authentic Winner de Bobby Orr. Nice card. Et ben oui, c'est vraiment une belle carte, là. Sur 10 seulement, là. Ben oui. Puis la Mechanist et Pronger signés ensemble. C'est ça que je disais avec un ami. J'étais comme... Pour vrai, cette carte-là, elle doit tellement être rare. Parce que oui, elle est sur 25. Oui, oui, il manque. Oui, elle est sur 25. Mais, tu sais, mettons, là, McDavid, là. Parce que pour vrai, là, Pronger puis McKinnon, au niveau des défenseurs, là, si je veux dire, c'est... peu importe. Mettons, je prends nommer un autre, là. Je vais nommer McDavid quand même. McDavid, là, il y en a des cartes sur 10, il y a des cartes sur 15, il y a des cartes sur 100. T'as des cartes sur 25. Pis ils valent tout cher, là. Mais des sur 25, là. McKinnon, il en a fait plein, là. Tu comprends, là? Mais des 25, qui a une signature dessus la carte de Pronger et McKinnis ensemble, sa carte, là. Il y en a combien au total? Ils en ont pas fait plein de 7, là. Ils ont pas fait plein de 7 comme. Comme quand t'es tout seul, là. Et là, je pense qu'on va avoir une belle carte. Ou pas. Une update de Brad Patrick Kane, base base. Après ça, il nous reste seulement 3 boîtes et c'est 3 petites boîtes qui au total cumulent 12 cartes pour 3 boîtes. Il nous reste seulement ça, mais c'est les gros hits qui s'en viennent, je le sens. Je le sens que ça vient des estis de gros hits. Authentic Moment, Ryan Poehling qui marquait 3 buts à sa première partie dans du match contre Toronto l'année passée. On s'en souvient tous, surtout à Montréal, hein, avec Lindgren qui gaulait en plus. Tu vois qu'on était sérieux cette game-là. Hein? Une limited de Tyler Bertuzzi, il me manque une dent. C'était 4 buts. C'était 3 buts, pas mal sûr. Tristan Jarry, update de série 1. Donc, nice one. Le gardien d'avenir des Pens.
C'est 3 buts, je suis pas mal sûr que c'est 3 buts. Ouais, mais en fusillade, ça compte pas. Avec moi, mais Cody Glass ici. Glass qui devient le premier joueur de Vegas à marquer un but, qui avait été drafté par Vegas, hein, parce que l'équipe est jeune. Hein. Elle existe depuis 3 ans. Ça, c'est le premier choix venant de Vegas qui a marqué pour Vegas. Nice it. J'avoue, hein, Denis, tu l'as dit tantôt. T'as dit, c'est soit un méga hit ou un swing and miss. Sauf que là, Chris. Et sinon, Charles Dong serait bon, là. Il y a plein de buts en fusillade. Iga! Oh, nice one! Oh, ça, c'en est une bonne, ça. New York! Eric Leblanc! La Young Gun de Igor Shesterkin! T'as, nice! Une update, là, mais quand même! Nice one! C'en est une belle, ça! C'en est une belle! Gardien d'avenir, là! Il va être bon, là! Montre en tout, base et base. Mais là, on a deux. Hey, j'ai sorti deux signatures en partant. Il me semble qu'il y en manquerait une. Il y en manquerait une, let's go, là. Petite signature encore. Teuvo Teräväinen. Limited. Et on continue ça. C'est un spectrum de Ryan O'Reilly pour Saint-Louis. Ryan O'Reilly. Non, mais il est brillant, man. Non, il est quand même le DG. Non, mais c'est quand même. Je pense qu'il peut. Je pense qu'il est plus intelligent qu'on pense, pour vrai. Level 1. Oh. John Marino. Ah, ça, c'en est une bonne aussi. John Marino, Spectrum, Future Watch. John Marino, que surprenamment. Quand je vendais des cartes sur eBay, John Marino, il se vend cher, là. Il y a comme un hype, je pense, à Pittsburgh sur lui. Donc, John Marino, Future Watch, elle n'est pas numérotée. C'est la Level 1. Je vais la quand même la mettre dans un top load. Sonny! Sonny! OK. Et là, on va ouvrir... Il reste une ultimate chronologie. Et là, premier qui répond. Non, je vais ouvrir une chrono. Après ça, je vais ouvrir la ultimate. Je vais finir avec l'autre chrono. Let's go. Let's go, les coins. Yes, c'est vrai. Let's go. Il nous reste 3 boîtes seulement. Là, c'est le temps de frapper fort. C'est le temps de frapper sur la fort. Ça serait le fun de battre la Patrick Roy tantôt sur 5. Ok. Ok. On a deux tics. On a deux belles tics. Et on va commencer d'abord avec. Commencer avec la première carte dessus. Et une Sergei Bobrovsky. Hey, lui, ça va bien ses affaires en Floride, hein? La Floride, Nicolas Robin-Noiseux. La Floride, 28e print. Lui qui est quoi? Qui est comme rendu avec 3 coachs sportifs. 3 psychologues sportifs pour lui. 8 coachs. C'est let's go, mon homme. Et là, on va aller. On va en dessous? On va pas en dessous. Tout de suite, on va aller
Okay, j'ai 5 cartes. On va pogner l'autre auto en dessous. Pour les Flames de Calgary, on a une Gary Suter, défenseur, ayant joué plus de 1000 matchs. Nice, on a une bonne, ça. Un des frères Suter, Gary. Calgary Flames, Monsieur Perron. Il se retrouve avec une autographe de Gary Suter. Gary Suter ici, Calgary. Et là, on va aller voir la prochaine carte. Qu'est-ce qu'on a? On a une Olaf Kolzig. Nice, avec le tissu à l'arrière, la signature sur 25. Olaf Kolzig appartient aux Capitals de Washington. Olivier Chalifou, une autre légende, le numéro 25, le numéro 12 sur 25. Olaf Kolzig. Pas mauvais, un tissu en plus. Nice hit, Washington. Nice hit, Washington. LMNOP. Il nous reste une carte en dessous. Et c'est une Zdeno Chara Time Capsule. Et là, il faut savoir, est-ce que Alex Miron accepte ou pas qu'on l'ouvre? Hein, Monsieur Miron, ça va être à toi de choisir, ok? Donc, est-ce que t'es gambler, pas gambler? As-tu mis ton sang, t'as pas mis ton sang? Est-ce que je la mets? Ça sort chez vous? Parce que si je finis de la mettre dans son. Et il veut qu'on y aille! Ben oui! Merci de nous faire durer le plaisir. Il veut une signer, let's go! Let's go. Signé. Time capsule. Est-ce que c'est signé? Oh my god, c'est mal ouverte. Oh my god, c'est mal ouverte. Avez-vous vu ce que c'était? Qu'est-ce qu'on a? On a une rookie, Igor Shesterkin, qui est un de mes favoris, vous l'avez bien compris. Une 18e sur 90. Nice! Je l'aime bien. C'est pour vrai, ça fait partie de mes. Dans les goalers, là, avec Carter Hart, c'est. Mon best. C'est mon best. Puis tu mérites au moins que je mette ça. Juste parce que l'ouvert, t'as eu le goût de l'ouvrir. C'est yes, sir. Ok, donc là, je vais la placer dans un gros sleeve. Et ensuite, je vais placer la petite carte. Mais c'est hot parce que c'est rookie. Marqué rookie. J'ai pas vu. Sur les autres, là, je me suis vu. C'était marqué quand c'était une Quinn Hughes, mettons. Je pense que oui, hein. Et là, t'es trop énervé, je l'ai placé là-bas. Mais là, à date, là, c'est vraiment les teams de gars déçus qui sont contents d'avoir gagné. D'avoir eu ces teams, finalement. T'sais. Et là, il nous restait une Ultimate et une Chronologie. On va aller dans Ultimate. Et là, j'espère. Là, tu go, la Ultimate. Là, t'es capable de me donner quelque chose de bon. Là. T'es capable de me donner quelque chose de bon, je le sais. Je crois en toi. J'arrête pas de te dire tout le temps à tout le monde que t'es belle, pis que t'es une bonne boîte, pis que t'es ma préférée. C'est juste parce que tu le sais que dans le fond. Oh, tête. Elle a pas aimé ça que je trippe vraiment pendant un bout à Black Diamond. Fait que là, elle me baboune des fois, je pense. Elle me fait la baboune. Ultimate! Comment qu'elle s'ouvre? De ce bord-là. Ta-ta-ta-ta. On a une tic. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta.
Tant, les Black Diamond là. Si t'en trouves, tu me le dis, ok Vincent? Tu me le dis à moi. Viens me voir. Qu'est-ce qu'on a? Première carte. On a une Cameron Hughes Boston sur 9 prints seulement. Ben oui! Boston! Boston, Alex Miron! Le karma qui vient te récompenser avec une Ultimate End Production sur 9 seulement. Toi, c'est la quatrième! Yep! Puis Boston, en plus, là, ils ont tendance à sortir des joueurs de nulle part. On a l'air de sortir des joueurs de nulle part tout le temps, qui finissent par devenir des vedettes. Et là, il y a Tommy Croisetière qui me demande si je veux jouer à NHL à soir, je veux jouer à NHL après, ok? Là, tu me déranges dans mon break. Puis t'es moins important que mon break. Et on va aller à la prochaine. On va aller en dessous. Et qu'est-ce qu'on a en dessous? On a le Max Verono. Classique Max Verono. Classique Max Verono. 392e sur 399. La petite jersey noire pour Ottawa. Les sénateurs d'Ottawa. Qui. Mike Trudel. On le met ici. Et voilà. Après ça, on va aller à la prochaine en dessous. Pas capable de la prendre ici. Ok, là j'étais capable. Et on a une petite Mario Ferraro. À chaque fois, je vois sa photo à lui, là. Regardez ça, man. Si je pouvais faire un film de zombie, là, ce serait sa face. Mais quand même, une belle signature auto, San Jose. Deuxième auto pour San Jose. Ultimate Rookie. 99 sur 225, quand même. Ultimate Rookie. Auto, ben oui. Les Sharks encore qui... Qu'est-ce que c'est ici? Vol le show, man. Vol le show. Et ensuite, on a une John Gibson en Anaheim! Encore une équipe qui devait pas gagner! John Gibson, une patch auto sur 99, une signature matérielle Laureate. Ben oui, Anaheim! Demi-gagnon, 37e sur 99, auto patch, une super belle carte. Ben oui! Gros hit pour Anaheim! Hein? N'arrête pas! Et là, il va nous rester une chronologie. Une chronologie. Une seule et dernière. Il y a une tick, au moins. Yes, sir. Oui, c'est ça que j'aime pas d'Upper Deck, là, comparé à Panini. Regardez comment l'enveloppe. Elle est longue. Et là, quand tu la sors, elle est toute pliée comme ça. Il y a comme plein d'or. Ils font pas les paquets bien serrés. Non, ben, il y a. Ben non, là, c'est. Et là, on va y aller avec la première. Il y a une tick. C'est... Je pense que c'est une Letterman. Nous avons une Clayton Keller ici pour l'Arizona. 134 sur 222. Et là, c'est tout des clubs, man. Ouf. On dirait qu'on est sur une séquence de let's go, les petits clubs. Let's go, vous êtes capables.
Ah, là, là, ouais, d'une vraiment belle carte, là. Ok. Et on a une allée. La carte, on dirait une carte de Noël, un petit peu. Alex Galchenyuk, signé. Masterpiece sur 30 seulement, la 8e print. Je te souhaite que Alex se ressaisisse pour de vrai. C'est une très belle carte. Elle est vraiment belle, pour de vrai, là. Alex Galchenyuk, numéro 27. JS Villeneuve. Mais il était jeune, tu comprends? Alex Galchenyuk sur juste 30. Pas pire quand même, pas pire quand même. Je serais pas déçu d'avoir ça. Lendemain de farine. Ouais, la prochaine carte, ça va être une. La prochaine carte, ça va être une. Une Smith Pelly. Et là, ensuite, on va avoir une Travis Sanheim, défenseur des Flyers de Philadelphie. Pas numéroté, par contre, le jeune défenseur des Flyers pour Philadelphie. JS Lavoie. JS Lavoie qui, quand même, a eu beaucoup de hits ce soir. Honnêtement, là, il me semble que j'ai dit son nom souvent. Et là, on va aller à la dernière carte. Et si la tendance se maintient, j'ai eu des Diamond Relics. J'ai eu la main chanceuse. Ça fait 4 breaks de suite que j'ai des Diamond Relics. Puis je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et c'est une Diamond Relic de Blake Wheeler pour les Jets de Winnipeg, Nicolas Bélanger, qui était déçu d'avoir les Jets, mais qui se retrouve avec une Blake Wheeler Diamond Relic! En fait, là, pour... hey, good job! Good job! En fait, je pense que là, sa blague, c'était juste comme sac de poudre. C'était ça, sa blague, je pense. En passant, c'était pas pour rire de toi. Je pense vraiment que c'était sac de poudre. La joke. Je vois des efforts là, de monsieur à essayer de t'intégrer pour de vrai, là. Je pense qu'on est juste susceptibles en ce moment parce que moi, le premier, là. Donc, une belle Blake Wheeler Diamond Relic sur 36 de la 35e print, mon ami. 35e print. Blake Wheeler. Là, si on fait un tour fucking rapide parce que j'en ai en tabarouette des cartes, là. Parce que là, peut-être que vous avez l'impression qu'il n'y a pas eu grand-chose à faire. Sibonac de Sibonac. On va faire le tour. Pour vrai, là, ça va être le coup d'air. Je vais les faire sans dans aucun ordre. Donc, World Wild. World Wild. Dry Cup. Une Robert Thomas Clear Young Gun. Une signature pop pour le Wild. Une première jersey Colin White. Une Future Watch. Future Watch. Corner Clifton. Auto. Sur 999. Une très belle Limited Vincent Trocheck signé. Une belle signature d'Eric Brandstrom. Label 2. Rasmus Sandin. Le jersey de Beauvisque. La signature de Michael Pivanka. Une autre de Ken Danico. Yep. Une Sub-Zero Martinica, une Riley Barber Auto. On a eu tout plein de Young Guns. Si, on a ouvert deux boîtes. Jason Robertson, Peyton Krebs, Gabe Villalby, Lucas Carlson. On a reçu la Spectrum de John Marino. Une Young Gun de Igor Shesterkin, une update. Une première sur 499, Yannick McKinnon. La première sur Mediterranean de Core, Off-Core, Fuck-Off. Luke Cunan, Dejnikov, Jersey Patrick Laine, Morgan Geeky, Alexander Crew, Josh Norris, Zamula, Korshkov, Krashkov. Mais là, on va arriver. Si, on arrive. On a eu la time capsule avec la Cherche-Tertiev en arrière.
on a eu la signature out of nowhere sur Sven les 15 de Nicolas Hilaire qui écrit The Great Damn. On sait pas trop qu'est-ce qu'il dit, mais très belle carte. Une Ultimate Rookie de Monsieur Ferraro. Un jersey de Monsieur Verono. Une belle Ultimate Introduction sur 9 seulement, le 4e Cameron Hughes. Une auto de Gary Scooter. Une auto de Travis Sanem. Une auto d'Alexis Galchenyuk. Ok, on continue. Une Olaf Kolzig sur 25 seulement pour Washington. Signé la 12e Prince. Une auto patch. Oh my god, c'était absurde. Une Joe Thornton sur 10 seulement, la 5e, sa dernière année avec les Sharks. On va revenir à la tonne d'études. Regardez ça. Auto patch sur 99, la 37e print pour Anaheim. Et pour terminer, la jet de Winnipeg, la Diamond Relic. Bon. Je vous aime. C'est le 7e break. 31e va sortir demain. Merci d'avoir été là. 2 heures de show. Non-stop, 1h50, vous êtes meilleur. Je vous aime. Bon, je vous aime, à bientôt, et t'es pardonné, Jean-François.